Bon, j'étais à East Hereford. Je suis jamais venu ici. Je sais pas si je vais dans la bonne direction pour les pistes que je vais faire. Ça a pris du temps à trouver la place. J'avais pas les... En tout cas, c'était compliqué. Mais là, on est rendu. Il y a beaucoup de bébites. J'ai mon stuff. J'ai remis mes gros pneus. Sur... Parce que les dernières fois que j'en avais fait en montagne, c'était un peu boiteux puis glissant. Fait que je me suis dit de la merde. J'irai moins vite, mais je vais avoir de la grippe. Fait que c'est au moins ça. Fait que je vais commencer par l'aiguille, le long de la piste. Puis je vais essayer de suivre le plan. Mais bon, je sais pas ce que ça va donner. On va voir. Une piste facile, classée facile pendant la montée. La durée estimée, c'est 2h30. 20 km, je sais pas si je l'ai dit. Puis, j'espère le faire en plus vite que 2h30. On va voir. Il y avait quelque chose. Ça se peut que je croise du monde. Presque 2 km dans la run. On s'enfonce dans le bois, dans la montagne. Parfois. On dirait que je viens de faire ce bout-là. S'il y a des gens qui vont me rattraper. Oh. Si je me trompe pas, ficelle ou... shit. Map time. Voyons voir si c'est la ficelle, je pense pas. Parce qu'elle s'en va au début. Fait que... je... démaille tout ça. Ah. Bon, effectivement, comme le monsieur disait, je suis dans la bonne direction. Là, je suis dans la bonne piste. Fait que c'est excellent. Et classé intermediaire, celle-là. Un petit peu plus challenging.
On aime ça. Comme ça. Ça te trempe. La piste, c'est l'aiguille. Je pense pas que je l'avais mentionné. C'était l'aiguille, non, c'était l'aiguille ici. Je m'en souviens plus. Oh, ça monte. Les âges sont beaux, pas de bruit de char. Si je me pète la face, ça sera pas drôle. Les zombies vont m'avoir. Par contre, à cette vitesse-là, il n'y a pas autant de bébites qu'à l'entrée. Hey, c'était fou. J'ai mis du stuff, puis en plus, je me suis fait quand même piquer comme le fou. Wow, je n'ai pas checké en avant. Checké sur le côté. Checké le petit pont ici. On dirait que mon pneu arrière est pas assez gonflé. Pourtant, quitte à flaronne.
I'm kicking. La 22, rien au manque. Bonne nouvelle, j'étais dans la bonne direction. Je me demandais. Ça recommence. Ça commence à être vraiment dur. J'ai plus que la moitié de fait. Mais. Ah, c'est dur. Là, j'ai pris la piste, une piste qui montait là. En quoi que là, je la redescends. Ok. C'était vraiment pire. Il fallait que je débarque une couple de fois. On va au travers des arbres. C'est nice. Je vais mériter mon cappuccino glacé. Le bout de tof dans cette histoire-là, ça va être de trouver un team. Oh, je vais passer par Quaticook. J'en voulais un avant de venir ici, un capuch, mais la machine était brisée, puis bordel que c'était long là-bas. Il y avait une madame, je sais pas ce qu'elle faisait là. Mais bon. Bon, panache. C'est pas mal dans les dernières pistes.
Ouf, j'ai arrêté, je me fais manger par les bibittes. Ah, il me reste cette piste-là à faire. On espère qu'il n'est pas trop rough. Parce que le petit gars, comme déjà dit, est fatigué. Puis après, on revire. Puis après, c'est le char. Bon, ça y est. Ok, j'avais vraiment plus de batterie. Ma run, elle a duré 1 heure et demie, probablement plus, avec le temps que j'ai été arrêté puis tout. C'était vraiment le fun. J'ai fait 16 km, fait que j'ai dû rater une piste à quelque part, mais c'est pas grave, je suis vraiment content d'être revenu. Je sais pas si je vais revenir cet été, mais en tout cas, c'est vraiment une belle place. Là, j'ai pas fait deux fois la même piste, là, comme mettons à Quaticook, où il a fallu que je fasse pour faire à peu près le même nombre de kilomètres de tour. Peut-être que à Quaticook, quand je vais y retourner, il y a peut-être une piste que je peux aller plus loin. Anyway, tout ça pour dire que c'était le fun. Fait que sur ce, bonne journée.